Généralement, quand on parle de plomberie, le monde en peur un peu. Généralement, OK? Puis, sincèrement, on devrait pas avoir peur. Bon, c'est sûr que là, j'étais avec une pro. Alison, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Plombière, OK, de formation. Où je veux en venir, c'est que je conseille pas à tout le monde de se mettre les mains dans la plomberie, partout, n'importe comment. Par contre, changer un robinet, ça fait plaisir, ça, changer un robinet? Bien, c'est un très bel accomplissement, certain, oui. Puis c'est simple, changer un robinet? Absolument. Et là, il va falloir que tu m'expliques une chose aussi, les composantes d'un robinet, parce que si jamais votre robinet est cool, on pourrait faire quoi, mettons? On peut changer la cartouche, on peut changer les O-rings, on peut changer plein de choses qui sont toutes en vente dans la quincaillerie du coin. Donc, finalement, notre robinet, il coule? Bien, notre robinet, en fait, ce qui arrive, c'est que ici, au niveau de la jonction, on peut le voir ici, là, il y a des écoulements. Ça, c'est dangereux, ça pourrait causer un dégât d'eau en dessous. J'ai vérifié déjà certaines composantes auparavant. Puis, malheureusement, on est rendu au stade où il n'y en a plus vraiment de solution à part le changer. Ce robinet-là qu'on vient d'aller acheter, il y a tout l'équipement nécessaire pour qu'on puisse faire face à n'importe quelle éventualité. Là. Exactement. Donc, l'avantage d'avoir des robinets quincaillerie, c'est qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait des choses qui n'étaient pas prévues. On a ici la plaque qu'on ne va pas déballer parce que nous, on a déjà un robinet qu'on a juste un trou. Donc, on n'en aura pas de besoin, sauf que dans l'éventualité où, chez vous, avec de deux poignées à une poignée, ben eux, ils ont déjà prévu avec le petit truc pour faire l'étanchéité et tout. Donc, eux, ils te préparent vraiment à toutes les éventualités. Ils te mettent même l'outil. On l'utilise, en fait, c'est pour venir dévisser. Et je vais m'en servir pour dévisser le robinet qu'on va enlever aujourd'hui. Ah. Et voilà.